Salut les golems, je suis Shriek et je vais vous parler de tous les changements de 2025 de League of Legends en commençant par le plus gros. Il y a un nouveau mob épique dans la jungle qui s'appelle Atakan, qui spawn aléatoirement et qui a deux versions de lui. Donc on va rentrer dedans et vous allez voir, c'est très drôle. Atakan, c'est un nouveau mob dans la jungle, c'est le héros de la ruine comme dit League of Legends. Il spawnera à 20 minutes selon l'endroit de la carte où il y aura eu le plus de dégâts et de champions éliminés avant 14 minutes dans League of Legends. Ce qui veut dire que si le top side a eu plus de kills et de dégâts que le bot side, alors Atakan spawnera top et posera deux murs permanents au niveau de son spawn pour créer une arène. Là où les champions ont été éliminés durant la partie, Atakan fera spawn des roses sanglantes qui, quand elles sont détruites, donneront un petit peu d'XP et de buff de force adaptative de manière permanente et tu peux les cumuler. Donc très intéressant de les stacker à l'infini. Et c'est là où on rentre dans le côté fun d'Atakan. Il y a deux versions du mob. En effet, si une partie est très sanglante et qu'il y a beaucoup d'action, alors ce sera une version qui s'appelle Atakan Calamiteuse qui va spawn. Si tu élimines la version calamiteuse de Atakan, ça augmente les effets de toutes les récompenses de monstres épiques de manière permanente. L'autre version d'Atakan, Atakan Vorace, apparaîtra dans les parties avec moins d'action, mais le buff est totalement broken. Ceux qui le tuent auront un buff unique qui leur permettra de respawn à la base, comme le passif d'Akshan, et en plus de ça, tu as un buff permanent qui augmente les golds que tu récupères sur les kills dans la partie. Et donc avec l'arrivée d'Atakan, logiquement, il va y avoir un changement majeur dans League of Legends. Le temps d'apparition du héros de la faille est poussé à 16 minutes et le Baron Nashor ne spawnera plus à 20 minutes, mais bien à 25 minutes. C'est une dinguerie. Avant de continuer sur le gameplay, on va faire un aparté sur les changements vis-à-vis de la saison de League of Legends. Pour faire simple, dorénavant, une année de League of Legends est divisée comme d'habitude en 3 splits, ce qu'ils appellent cependant des saisons. À savoir que le reset des lots à chaque split est supprimé. C'est dorénavant toute l'année que vous allez jouer pour votre elo et vous n'allez pas avoir à regrind tous les 4 ou 3 mois pour votre rang en solo queue. De plus, quand il y aura une nouvelle saison, donc en janvier vous aurez la saison 1, en saison 2 à peu près en mars-avril et saison 3 comme d'habitude en septembre, et bien chaque saison aura un thème. Le thème de la première saison c'est Noxus, ce qui changera la map, ce qui changera une partie du gameplay, qui va ajouter plutôt du gameplay, ce qui est extrêmement intéressant. À chaque nouvelle saison on aura du nouveau gameplay. Comme je l'ai dit, l'arrivée de Noxus en saison 1 change la map, les minions sont modifiés, les tours sont modifiés et même les shopkeepers sont modifiés et sont transformés à la manière de Noxus. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Retournons sur le gameplay. Il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle Feats of Strength ou Exploit Force en français. C'est un nouveau système qui va remplacer les gold rewards que vous aviez quand vous preniez la première tour ou le premier 100. Pour obtenir ce reward, il faut avoir 2 des 3 objectifs suivants. Le premier 100, la première tour ou l'élimination des 3 premiers mobs épiques de la jungle, donc le Drake, l'Herald ou 3 des Void Grubs tout simplement. L'équipe qui remportera 2 de ces 3 objectifs verra ses statistiques légèrement améliorées et déverrouillera une puissante amélioration sur le thème de Noxus pour ses bots rang 2. Comment ça? Ça veut rien dire, ça veut rien dire, je sais ce que tu veux dire. Eh bien, et prenons un exemple. Imaginons que vous avez des Tabi Ninja, donc les Plated Steelbacks, tout simplement. Si vous les avez, que vous avez débloqué les Feats of Strength, donc l'Exploit de France, parce que vous avez eu 2 des 3 objectifs, eh bien, vos tiers de boot, donc les Tabi Ninja, gagneront 5 d'armure bonus gratuitement, juste parce que vous avez eu ça. Et en plus de tout cela, vous allez avoir accès, une fois que vous avez acheté 2 items légendaires, au tier 3 des bots. Un tier 3 unique qui peut vous donner, selon la paire de bots que vous avez acheté, une stat unique. Exemple, pour les Tabi Ninja, si vous avez la tier 3 upgrade, ça demandera 750 gold à compléter, mais ça te donnera 5 d'armure en plus, 5 de movement speed en plus, et un passif unique, précisément, qui fait que après que tu prends des dégâts physiques d'un champion, ça te donne 10% de tes PV maximum en shield pendant 5 secondes avec un cooldown de 10 secondes. Vous avez bien compris, en gros, c'est broken. Ceux qui accèdent à ce Feat of Strength peuvent totalement gagner une grosse partie du late game à eux tout seuls juste par les statistiques de ces améliorations sur leur bot, mais ils ne sont débloquables qu'après avoir acheté 2 items légendaires. Donc, ça ne peut pas être acheté en early game et totalement casser la partie. Et ceux qui n'ont pas eu les Feats of Strength n'ont pas accès à ces tier 3 boots. Évidemment, les exploits de force ne concernent que les bots rang 2 et rang 3. Ça ne donne pas des statistiques en dehors de ces
potes. Donc il faut soit acheter l'upgrade tier 3 plus tard dans la partie, ou soit se contenter des plus 5 d'armure, qui sont quand même des stats gratuites, mais pas game breaker, avant d'acheter l'upgrade tier 3. D'ailleurs, tout le monde aura quelque chose. Même Cassiopeia, qui ne peut pas acheter des bottes, aura une récompense si elle récupère les exploits de force. Allez, passons à la suite maintenant. On change de gameplay. On passe au respawn des tourelles Nexus. Oui, c'est nouveau, c'est broken. Et dorénavant, si, comme les inhibiteurs, au bout d'un certain temps, vous n'avez toujours pas perdu la partie avec votre Nexus Open, vos tourelles Nexus vont respawn avec tout leur HP, ce qui vous permettra d'enfin sortir de la base si vous avez votre Nexus open, ce qui était quasiment une garantie de perdre la game quand vous aviez 3 inhibiteurs down et Nexus open. Mais dorénavant, comeback possible! Et c'est pas fini, parce qu'il y a aussi un changement majeur sur la téléportation. Riot ne sont pas dupes, ils savaient que ce soit en compétition ou en solo queue, que ce summoner était beaucoup trop fort pour appuyer sa domination en lane et compenser tes erreurs aussi en early. Donc, téléporte ne va plus instantanément te téléporter, oui c'est bizarre mais bon c'est pas moi qui fais les règles, mais à la place ça va te faire traverser la map lentement, ça dépend si la téléporte est améliorée ou non, donc si elle est unleashed ou non, comme si tu faisais un E Akali across the map, comme si tu te téléportais avec ce E d'Akali sur un ulti-chain par exemple, et bien ce sera la même chose. Ils veulent faire en sorte que la téléportation soit moins broken, que ce soit pas aussi puissant pour dominer sa lane et pas aussi facile de comeback une partie de derrière, et donc je pense que c'est un excellent changement pour dynamiser à nouveau les games et que ce ne soit pas un summoner obligatoire sur les midlaners et sur les top laners. Poussons les Riot Games. Et c'est pas fini, on a aussi des changements sur les runes. Alors, mineurs, des changements mineurs. C'est 4 runes qui sont modifiées, 3 dans l'arbre de domination et 1 dans l'arbre de sorcellerie. Donc, on va en parler maintenant. 3 runes sur 4 sont donc dans l'arbre de domination, comme j'ai dit, et changent pour la vision. La première rune, qui s'appelle Deep Ward, remplace Eyeball Collector et fait que chaque ward que vous placez dans la jungle ennemi, ça leur donne 1 HP et elles tiendront 30 à 45 secondes de plus. C'est augmenté de 30 à 120 secondes pour les Yellow Trinket, et à partir du niveau 11, chaque ward que vous placez dans la rivière sera considéré aussi comme une deep ward, qui leur donnera les mêmes buffs. La deuxième rune, sixième sens, remplace zombie ward et elle traque automatiquement la ward ennemie la plus proche que vous ne pouvez déjà pas voir ou pas traquer. Ça a un cooldown de 300 secondes pour un melee champion et 360 secondes pour un range. Et à partir du niveau 11, vous pouvez non seulement pas que la traque, mais la révéler pendant 10 secondes, ce qui te permet évidemment de la clear. Cette rune est extrêmement utile lorsque vous voulez, en tant que laner, savoir où votre adversaire a posé de la vision, que ce soit en early ou en mid-game ou même en side lane, afin de le gank, afin de le punir et afin de jouer autour de cette vision ou tout simplement d'invade. Elle est totalement broken. Arcanist Axiom, c'est une rune qui remplace Nullifying Orb, donc l'orbe de défense magique que vous voyez absolument sur personne à part Vel'Koz, MDR ou Dallas. Et ça va tout simplement, elle est très simple la rune, hein, ça va juste buff les dégâts de ton ultimate ou le healing ou le shielding et redonner un peu du cooldown de ton ultimate quand tu tues un adversaire. Un peu comme l'arc axiomatique, simplement qu'à la place il s'appelle Arcanist Axiom. Et enfin, la dernière rune, qui s'appelle Grizzly Mementos, qui remplace Ghost Poro, donne 5 de Stacking Trinket Ability Haste quand tu tues un champion. Ça a l'air difficile d'égaler les deux runes précédentes, mais en effet, c'est la dernière rune qui remplace Ghost Poro, donc bon, il fallait remplir les trous et Riot l'a fait. Voilà. Évidemment, ça peut être totalement broken si tu l'utilises quand tu as un Red Trinket avec énormément de Trinket Ability Haste. Tu mets les adversaires dans le noir total en permanence, mais bon, il y a quand même Deep Ward qui est sacrément broken pour les supports déjà, donc à voir si des gens prendront Grizzly Mementos. C'est fini pour les runes, passons à la suite. Retournons sur les ranked reset. En effet, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y aura qu'une seule réinitialisation majeure en janvier et aucune réinitialisation supplémentaire ne sera effectuée au cours de l'année. La réinitialisation de janvier aura à peu près le même schéma que ceux de 2022 et avant, donc pas 2023 ni 2022. Et enfin, comme je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, pour ceux qui sont master ou plus, le MMR reset sera un peu plus soft. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes challenger, vous n'allez pas tag du diamant ou du master au reset de la saison 2025. Ça concerne une extrême minorité, mais c'est pareil pour les grandes masters, c'est pareil pour les masters. Donc évidemment, si vous êtes master, vous n'allez donc pas tag du diamant, mais vous n'allez non plus pas tag du challenger ou du haut grand master. Peut-être du low GM, mais assurément pas du challenger ou du low diamant. Ce qui permet un peu moins de variété dans les games de début de saison pour éviter cette frustration extrême que certains d'entre vous ont subi. Ça ne concerne en effet
pas Elo inférieur à Master, donc bonne chance à vous si vous n'êtes pas concerné. Évidemment, vu qu'il y a toujours 3 splits, même s'ils ne sont pas divisés par 3 splits d'Elo, il y a donc 3 skins héros de guerre pour ceux qui sont friands de ramasser un maximum de skins dans League of Legends. Et bah c'est cool, voilà, il faut juste gagner 15 parties au cours d'une saison, comme ils appellent le split. Bref, les mots sont compliqués pour rien. Comme ça, vous pourrez avoir 3 skins différents alors qu'il n'y a qu'une seule saison. Voilà. En plus de tout ça, on passe maintenant au rework, comme ils appellent, de Viktor. Mais ce n'est pas un rework, c'est un MVG. Donc c'est visual update pour adapter vis-à-vis d'Arcane, comme vous avez pu voir, la saison finale. No spoil, évidemment, sinon c'est la merde. Et bien, Viktor va être un peu refait visuellement pour plus être adapté au design qu'il avait dans la série Arcane, que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas vu, elle est franchement fantastique. Et en plus de ça, le seul changement gameplay, parce que oui, on vous a bait, il y a un changement gameplay, mais il est tout petit, c'est sur son ultimate. À chaque fois qu'il fera un kill, son ultimate deviendra de plus en plus puissante à chaque élimination, mais c'est pendant la durée de la compétence. Voilà, donc ça ne change quasiment rien au gameplay de base de Viktor, malheureusement pour tous les fans, que ce soit de la série ou du champion, vous avez été déçus. Moi aussi un peu là-dessus, j'aurais bien aimé quelques petites modifications, mais bon, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi. Et enfin, c'est pas fini évidemment, mais le plus important arrive, vous allez voir, c'est une dinguerie. Moi, je considère ça comme une dinguerie. Le système d'honneur va être refait, mais pas dans son fonctionnement, mais dans son utilité, et ça, c'est massif. Parce que jusqu'à présent, ils le savent très bien, le système d'honneur, ça te donne des orbes inutiles, et ça ne sert à rien. Même si vous êtes honneur 5, vous n'êtes pas récompensé. Eh bien, à partir de 2025, c'est une dinguerie. Si vous êtes honorable, vous aurez accès à des fonctionnalités que les personnes non honorables n'auront pas accès. C'est quoi ces fonctionnalités? In-game, vous aurez accès à plus de ping par minute et à des pings différents, des nouveaux pings. J'imagine que ça peut être des pings hameçons, des choses comme ça, ça peut être très intéressant. Alors que ceux qui sont toxiques et qui ont un honor niveau bas n'auront soit pas accès à ces fonctionnalités, soit auront des limitations. On peut prendre comme exemple peu de ping, voire aucun ping par minute. Donc dorénavant, si vous êtes toxique, vous aurez des conséquences directes in-game. Et si vous êtes honorable, vous pourrez skip les limites, par exemple, de ping par minute, qui peuvent être très frustrants quand vous essayez de gagner et que vous êtes en full tryhard. C'est massif. Ce changement est vraiment massif. Ciao bye Tiki, bonne chance pour les pings par minute. Il n'y a pas que ça, parce que en plus de ce que je viens de dire, l'honneur qui est censé reset chaque saison, donc chaque année si vous préférez, ne sera plus reset chaque année. Dorénavant, si vous êtes honneur niveau 0 parce que vous avez été toxique ou quoi, il va falloir grind votre chemin jusqu'à l'honneur honorable de niveau 3, 4, 5, même si vous changez d'année. Donc, vous êtes tout simplement fiché S si vous êtes toxique. En plus de ça, là, on rentre dans les choses un peu moins intéressantes niveau gameplay, parce que ce n'est pas du gameplay tout simplement. Il y a des changements sur le client. Alors non, vous n'aurez pas un client sans bug. Désolé, je ne peux pas vous mentir, je resterai honnête là-dessus. Vous n'aurez pas un client sans bug, mais vous avez une sorte de nouveau client niveau visuel, niveau design, niveau fonctionnalité. Je vous laisserai regarder par vous-même, c'est très intéressant. Ils ont appelé ça l'Activity Center, le nouveau centre d'activité, comme ils appellent la base du client. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les Battle Pass et les Rewards qui ont été modifiés. Donc ça m'intéresse pas trop. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le dev blog de Riot concernant les Battle Pass, comment ça fonctionne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un haut niveau d'honneur, le Battle Pass vous donnera plus d'expérience et plus de récompenses selon votre niveau d'honneur, donc c'est encore plus bénéf d'être honorable dans League of Legends. Et enfin, on va parler de deux choses qui sont quand même importantes, on va dire majeures, oui, qui concernent League of Legends, qui sont des modes. Pas de jeu, mais il y en a un, c'est un mode de jeu, et l'autre, ça ne l'est pas. Oui, parce que le mode rapide débarque. Vous allez me dire, mais ça existe déjà, le quick play. Oui, mais c'est totalement différent. On va rentrer dans la catégorie TikTok MDR, parce qu'en fait, le mode rapide, c'est League of Legends en accéléré. C'est pas comme le quick play en mode, tu rentres directement dans la partie. C'est toute la fonctionnalité de League of Legends, mais en version plus rapide. C'est-à-dire, tu gagnes plus rapidement des gold, tu gagnes plus rapidement de l'XP en fonction de la progression de la partie. Ça n'a pas été expliqué très clairement avec du visuel, avec des vidéos de comment ça allait fonctionner. Ça ressemblera un peu à une partie donc de Wild Rift, comme sur téléphone pour League of Legends. Moi j'appelle ça le mode TikTok parce que voilà, pourquoi pas, peut-être que ce sera fantastique, peut-être que personne n'y jouera. J'attends de voir in-game ce que ça donne, mais en effet les enjeux seront moins importants, ce sera plus pour s'amuser, peut-être pour avoir du fun très rapidement et éviter de rentrer dans des games qui parfois peuvent durer jusqu'à 40-50 minutes tout simplement avec ses amis. Et enfin, le dernier point, il est massif pour les joueurs qui veulent devenir meilleurs au jeu, pour les équipes et compagnie. L'outil d'entraînement est dorénavant, n'est pas dorénavant, parce que ce n'est pas encore sûr, mais ils veulent faire en sorte que l'outil d'entraînement soit jouable en multijoueur. Donc ça va être testé sur PBE, ça permettra aux joueurs de s'entraîner les uns avec les autres en circuit fermé.
Ils envisagent, comme j'ai dit, de mettre cette fonctionnalité en place pour le lancement de la saison en janvier, mais ce n'est pas encore sûr. Donc gardez en tête que je ne vous mens pas. C'est possible qu'en janvier, vous ayez accès au mode d'entraînement en multijoueur pour pouvoir tester tout et n'importe quoi, que ce soit des teamfights, que ce soit des 1v1 late game, plein de choses, ce qui pourrait faire un peu comme Fortnite avec le mode build, où vous pouviez tester tout simplement de vous entraîner dans des moments de jeu qui sont pas faciles à accéder, comme par exemple les teamfights. Évidemment, toutes les équipes du monde entier rêveraient de s'entraîner en teamfight, mais aller en custom et mettre en sorte que tout le monde passe niveau 15 ou 16, c'est long, c'est chiant et ça sert à rien, donc ils sont obligés de faire 20 minutes de game avant d'arriver en teamfight. Alors que là, il est possible de prendre une équipe, leur dire venez, on s'entraîne en teamfight pendant 2 heures et on va à 10 en outil d'entraînement multijoueur pour s'entraîner en teamfight dans des scénarios spécifiques, ce qui serait massivement bien pour améliorer le niveau des joueurs, mais peut-être qu'on arriverait aussi au stade où on pourrait trop facilement s'entraîner sur absolument toutes les fonctionnalités du jeu, ce qui pourrait aussi créer un petit dégoût pour League of Legends, mais c'est pas à moi de juger tout simplement. Et voilà, c'est fini cette vidéo, vous avez eu quasiment tous les changements, certains n'ont pas été dit car je considérais que c'était pas très important. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les dev blogs ou les vidéos de Riot Games vis-à-vis de ces changements. Moi je vous laisse, n'hésitez absolument pas à me dire en commentaire si vous avez été déçu des changements ou si vous voyez des changements qui n'ont pas eu lieu que vous auriez bien aimé voir. Je suis très curieux d'avoir votre avis et si vous considérez que certains changements vont tout simplement casser le jeu ou absolument, pourquoi pas l'inverse, quel était le changement qui a été annoncé qui vous considérez comme le meilleur. Moi je pense que c'est celui sur l'Honor tout simplement. Je suis vraiment très pressé de voir si ça aura un impact positif sur l'intégralité de la communauté League of Legends ou si ce sera tout simplement un bluff et que ça ne marchera absolument pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur League of Legends, comme d'habitude sur ma chaîne. Ciao, bye.